C'est fou parce que depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit, je veux être chanteuse. Les clichés qu'on nous a toujours mis dans la tête faisaient que c'était impossible d'y croire parce que ça n'arrive qu'aux autres. Puis jusqu'au jour où j'ai fait du rap, en fait. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Chila. Comment grandir si je ne comprends pas les codes ? Le fait de faire du rap alors que je venais d'un milieu plutôt classique. Je vis des séquences, j'ai des séquences. C'est qui cette blanche du 16e qui vient faire du rap? Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque. Je sais que je viens pas du 16e, je sais que je suis pas fondamentalement blanche et que j'ai pas à me justifier de ça en fait. J'ai des compétences et de l'habilité, c'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. J'ai envie de me dévoiler, de dire ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Quand t'es témoin de choses difficiles, à un moment où t'es jeune et où t'es en train de te construire, comment je peux créer autour de ça pour en ressortir le meilleur ? J'ai joué la conne, mais n'écoute pas les autres. Dans la musique, il y a le moment très introspectif et égocentrique. Et comment donner du sens à ce travail sur soi, ben, c'est le partage. Quand tu te sens moins seul face à ce que tu ressens, ben, d'un coup, tu te dis, ok, il y a beaucoup plus de gens que ce que j'imaginais qui voient la vie de la même manière que moi, quoi.